Nous avons notre site sous WordPress. Il est possible que certains contenus qu'on veuille le cacher aux visiteurs, donc que ce soit seulement les membres du site qui puissent voir un certain contenu. Donc voici comment on va faire. Donc on se rend sur le tableau de bord. On va ajouter un article. On va lui donner un titre. On va écrire le contenu de notre article. On va venir le placer encore une fois dans une catégorie. Donc peu importe la catégorie. Et avant de publier, donc ici, on a la visibilité dans le menu de droite. On va aller modifier et là, on a différents accès, on a différentes fonctions. Donc, on peut mettre cet article en avant sur la page d'accueil, c'est-à-dire qu'elle sera toujours en premier lieu, donc un mot de bienvenue, etc. On pourrait également protéger par mot de passe l'article. Donc, on pourrait écrire le mot de passe ici pour le donner seulement aux gens qui doivent avoir accès à l'article. Ou encore, on le met privé. Donc, c'est-à-dire que c'est seulement les membres connectés au site qui pourront voir cet article-là. Donc, mettre à jour. Ce qui fait que si je vais voir sur le site, comme je suis connecté, je vois privé secret. Si je me déconnecte et que je retourne sur le site, mais je n'ai plus cet article. Donc, le fait que je ne suis plus connecté, je ne peux voir l'article. Donc, ça peut être intéressant pour cacher comme ça des articles, des informations qu'il y a seulement, par exemple, nos élèves qui peuvent avoir cette information-là. Ça permet de gérer plus finement qui a accès à quoi dans notre site WordPress.